loin du monde et de ses mirages. Tu es plus mûr que les gens de ton âge. Tu perçois au-delà des sens ce qui constitue ton essence. Tu es souvent solitaire, loin des plaisirs de cythère. Tu t'intéresses au mystère de la vie sur notre terre. Ton esprit vole vers l'éther quand d'autres sont terre à terre. Mais s'ils font des commentaires, toi tu choisis de te taire. Incompris, quand tu étais enfant, ton milieu était étouffant. Tu as construit bien des remparts. Tu te sentais seul et à part. Les bonheurs intérimaires semblent vains, sont éphémères. Tu recherches la lumière de notre divine mère. Un jour tu as découvert, perçant le plafond de verre, que si tout marche à l'envers, tu contiens tout l'univers. Et dans nos prisons matérielles, à l'instar de l'archange Ariel, tu sais bien que tout n'est qu'esprit. Alors tu chantes, tu vis, tu ris. En réponse à tes prières, sur la terre tout entière émerge une nouvelle ère. Des millions de sœurs et frères travaillent à briser nos fers pour que nos enfants soient fiers et que la vie prolifère, car ce monde a trop souffert. La révolution se fera si nous ouvrons bien grand nos bras, car l'énergie de notre cœur est la plus chaude des liqueurs.